prend le morceau de quiche. Même si ça bug carrément. Bon, les amis, salut tout le monde, comment ça va? J'ai dû faire un truc très chiant. En fait, le jeu il a sauté, je sais pas pourquoi. Il a effacé tout ce que j'avais fait avant. J'ai dû tout refaire. Et c'était très le chiant. Oui, très très le chiant. Mais bon, c'est pas grave. Donc, du coup, je suis niveau 6 avec 40 points de vie. Niveau 6 avec 40 points de vie. J'ai tué le gros chien là. Vous savez, le maxi chien, celui qui était dans le tas de neige là. À Snowdin. Enfin, un coup de neige, comme vous voulez. Et voilà, c'est tout. Je crois. Voilà, bon, bah, bref. Je sais comment gagner. Enfin, je suis pas sûr, mais il me semble qu'il faut faire selon le rythme de la musique. Il faut encourager selon le rythme de la musique. Donc, on va essayer, d'accord? De toute façon, moi, je sais ce qu'il dit après. C'est un petit bonus. Voilà. Ok, press Z pour. Non, c'est pas ça. Vas-y, petit escargot. Va plus vite. Plus vite. Plus vite. Plus vite. Ah, je crois que tu as trop encouragé ton escargot. Je vais arrêter cette course parce que j'ai loupé. Parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et j'ai perdu 10 or pour rien. Mais c'est pas grave, je m'en fous. Oui, non. Ferme-la. Voilà, je me casse d'ici. Allez, les amis, on continue. Il y a quoi en bas déjà? Ah oui, c'est pour le passeur. Ah oui, là. Donc, user la boîte, oui. Là, il y en a. Oui, oui, c'est maintenant. Donc, je vais prendre. Donc, j'ai pas récupéré toutes les armes. J'ai juste récupéré le gant parce qu'il était déjà dans la boîte. Enfin, donc, non, j'ai pas récupéré du coup, mais il était déjà dans la boîte. J'allais juste récupérer le tutu et les chaussons. Voilà, je me suis pas embêté. Voilà. Bref, j'ai pris de la nourriture d'astronaute. J'ai pris le dog résidu aussi. C'est ce qui se passe quand. Enfin, le chien nous donne, des résidus canins quand il prend la boule là, la Dragon Ball. Je suis pas sûr, mais normalement, je vous l'avais montré en vidéo. Bref, le truc avec le piano. Donc, bref, je vais mettre bonbon monstre et bonbon monstre. J'ai pris tous les bonbons monstres aussi. Bref, donc quitter. Et je vais le vendre au seul vendeur où on peut le vendre, le résidu canin. Donc bref, parce que on peut vendre des trucs à un seul vendeur. Et on va bientôt le rencontrer, c'est pour ça. Il est un petit peu con en même temps, c'est normal. Il est un petit peu con le vendeur, hein. On va pas se mentir, il est un petit peu con. Bref, traduction pour ce panneau. Je vous rappelle que je clique pas sur le panneau parce que c'est trop chiant. Mais en gros, je vous lis ce qui est marqué dessus. Blessés, battus, craignant pour nos vies, nous abandonnâmes face aux humains. Sept de leurs plus grands magiciens nous scellèrent sous terre à l'aide d'un sortilège. Le sceau fait entrer quiconque le désire, mais une âme forte est nécessaire pour sortir. Il existe un seul moyen de briser le sortilège. Si la barrière était frappée d'une force égale à celle de sept âmes humaines, elle serait détruite. Vous avez compris les amis, cette âme humaine. Mais cet endroit maudit est dépourvu d'entrée comme de sortie. Impossible pour un humain de parvenir jusqu'ici. Nous voilà donc coincés ici-bas pour l'éternité. Voilà. Bref, allez, continuons. On s'en fout de ça. Donc là, on va... Ah ! Là, donc là, c'est un petit puzzle de champignons. Bref, donc là, faut allumer les champignons pour pouvoir voir le chemin.
spécial ennemi Temi apparaît. Non, je vais pas le combattre. Oh, je peux déjà épargner. Non, je peux déjà épargner, mais si je fais ça, je gagne beaucoup d'argent. Donc je flex, je me muscle. Ouais, c'est pas mignon. Ouais, je comprends rien à ce que tu dis. Non. Voilà, il est KO. Et du coup, il y a Aaron qui est apparu parce qu'on a parce qu'on s'est fait des muscles. Et Aaron, il va bientôt. Il vient bientôt s'étirer d'ici. Aaron s'étire d'ici. Je gagne 60 or. Donc c'est pas mal, hein, on va pas se mentir, c'est pas mal. Non. Vous avez rien vu les amis. Oh puis si, hein, ça sert à rien. Là en haut, il y a un deuxième chemin qui est apparu. Si on allume le champignon, ça allume ça aussi, un autre chemin là. Ça sert à rien quand on a allumé ça. Ça sert à rien. Ouah, je suis Temi et ça c'est mon ami Temi. Ouah, je suis Temi et ça c'est mon ami Temi. Ouah, je suis Temi et ça c'est mon ami. Salut, je suis Bob. Ah bah il y avait un coffre là. Donc blablabla, ça t'a rempli de détermination. Là on va voir le vendeur. Waouh! Bienvenue au Theme Shop! Non, je vais te vendre des trucs. Dog résidu. Ah, ça vaut que 4 heures. Waouh! Du dog résidu. Il faut que Temi aille au collège. Il n'y a pas d'argent pour aller au collège, mais. Du dog résidu. Je t'offre 5 or. Non, je veux plus. Mais 8 gold. Bon, ok, 8 gold. C'est bien parce que après si je dis non, tu me le mets à 3. Pour la fin. On va te vendre le bâton pour 150. Le vieux pansement pour 150. Et le gant pour 50. Et ben, c'est bon, hein. Voilà. Tout le reste c'est de la boue, donc on s'en fout. Je vais t'acheter des Temflex les Temflex en solde. Ouais, les Temiflex, c'est super bien. Parce que ça récupère, ça nous fait récupérer 2 PV. J'ai fait 4. Ouais, pour un or, j'ai un Temflex. Non, tu te casses par contre. Et attends, j'ai combien d'argent? Oh, en vrai, si j'avais économisé assez, j'aurais pu lui payer le collège. On verra peut-être. Peut-être qu'on reviendra. Hein. Sortir. Bois. Utiliser la boîte. Oui, on prend les deux monstres quand des je parle à personne parce que je ne vais rien comprendre. Ouais, là. Ça fait déjà longtemps qu'on filme là. Ah oui, aussi tout à l'heure dès que j'ai commencé la vidéo. Oh, cassez-vous. Ah, je pouvais pas épargner les deux. Je me casse. Je m'enfuis. Ah oui, et quand j'ai allumé le champignon, en bas il y a la route qui s'allumait quoi. Mais on peut pas voir. Bref. Allez, voilà. Voilà. J'espère qu'on va pas retrouver les chiens. Oh non. Faut allumer les lanternes. Ça c'est un petit à petit. Il faut allumer les lanternes. Autrement on n'y voit plus rien. Et c'est un putain de labyrinthe. Voilà. Comme le truc de la dernière fois. Après ça va, c'est un petit labyrinthe aussi. Comme de... Mais je vous emmerde. C'est vous que je veux pas croiser moi. Je me casse. Vous êtes trop chiant à battre. Et vous faites bobo. Ah oui, mais après tu vas me dire la dernière fois j'étais niveau 1 quand j'ai fait le jeu de mon côté. Sur ma tablette.
Je vous montrerai un fail aussi que j'ai fait sur ma tablette. Ça sera une vidéo que au cas où. Si j'ai pas de vidéo de... Ça sera une vidéo de secours. Au cas où. Parce que ça sera une petite vidéo faite comme ça il y a longtemps. C'était pour Amino. Une application que je vous montrerai plus tard. Parce que j'arrive toujours pas à mettre cette putain de à trouver une putain de caméra bonne. Cette phrase ne voulait rien dire. À trouver une bonne caméra. Je ne vois rien du tout. Je ne vois rien du tout. Derrière toi. Le combat final. C'est parti. Trois petits points. Sept. Sept âmes humaines. Avec leur pouvoir combiné, notre roi, le roi Asgard Dreamer, deviendra un dieu. Avec leur pouvoir, Asgard pourra enfin détruire la barrière. Et alors, il pourra enfin reprendre la surface des mains de l'humanité. Tout en lui rendant centuple toute la souffrance que nous avons endurée. En gros, il va être buté tous les humains. Je crois. Normalement. tu saisis l'humain ? Ceci est ton ultime chance de rédemption. Donne-moi ton âme. Ou je viendrai moi-même l'arracher de ton corps. Adieu. Undyne, je vais t'aider à combattre. Je sais pas s'il est sympa ou pas sympa. T'es chiant, tu sais. Yo! Ah non, c'est. Je lis trop vite. Yo! T'as réussi! Undyne est juste devant toi! T'es carrément au premier rang pour la voir combattre! Attends un peu. Avec qui elle se bat? Hey! T'iras pas le dire à mes parents, hein? Qui sont tes parents? Hein? Qui sont tes parents? Monster Kids. Ça se trouve depuis tout à l'heure je suis trop loin du micro et vous entendez pas trop bien ma voix. Mais normalement ça devrait aller. Ah oui, il y a la traduction. C'est bien parce que à chaque fois j'use beaucoup de feuilles de... Oui, c'est une petite parenthèse. J'use beaucoup de vieilles feuilles de primaire, de 6e, 5e, enfin voilà, qui me servent absolument plus à rien et que j'ai pas envie de jeter, voilà. Parce que moi j'utilise beaucoup les autres feuilles. Oui, j'ai un gros classeur gros comme ça, de feuilles inutiles. Et c'est bien parce que comme ça j'en utilise beaucoup. J'écris toutes les traductions à la main comme ça. Voilà. Par contre, ça dure pas longtemps la traduction. Hein. Au bout de quelques minutes de let's play, elles sont finies. C'est encore la conversation de la dernière fois là. Avec celui qui veut faire un vœu. Si je te le dis, tu promets de ne pas te moquer de moi? Ah oui, c'est... Voilà. Parce qu'au départ, ça nous dit tout le temps, vous entendez une conversation entre deux passants. Mais non, je ne vais pas me moquer. Vous entendez une conversation entre deux passants. Un jour, j'aimerais pouvoir escalader cette montagne sur laquelle on est tous enterrés. Avoir le ciel au-dessus de la tête, admirer le paysage et tout. C'est ça mon souhait. Hé, tu avais promis de ne pas te moquer. Oui, parce que c'est pénible, ce genre, ça dit toujours. Vous entendez une fichue de conversation entre deux passants. Voilà. Vous entendez une conversation entre les passants. Et du coup, moi, ça me perd. Et tu avais promis de pas te moquer. Vous entendez une conversation entre deux passants. Bla bla bla. Et tu. Oui, pardon. C'est juste que je trouve ça amusant. Parce que tu vois, c'est exactement mon souhait.
Bon, on revient dans la légende avec les panneaux qui sont je sais pas où, putain, t'es où, très... Ah, cependant, il existe une prophétie. L'ange, celui qui a vu la surface, son retour est certain. Et alors, il y en a un deuxième. Et alors, l'outre-monde ne sera plus qu'un désert. Moi, ouais, j'ai eu pas un truc. Ah là 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 là. Bref. Yo. Oui. Qu'y a-t-il? Bonsoir. Yo, je suis pas censé être dans le coin, mais je voulais te demander. Zut, c'est la première fois que je demande ça à quelqu'un. T'es un humain, pas vrai? Ah. Waouh, je savais. Enfin, maintenant je sais, je veux dire. Undyne m'a dit, ne t'approche pas de cet humain. Et donc, j'imagine que ça fait de nous des ennemis et tout. Mais je suis pas très à l'aise pour ce truc. Yo, tu peux me dire une méchanceté, histoire que je te déteste. La petite transition des traductions. Histoire que je te déteste. S'il te plaît. Non. Hein? Quoi? C'est à moi de le faire alors. Bon, c'est parti. Yo, je te déteste à mort. C'est nul. C'est nul. C'est nul. T'es une merde. T'es une merde, Monster Kids. Tu sais ça. T'es une merde. T'es une merde, tu me fais pleurer. Tu pues la merde. Tu me fais pleurer, t'es une merde, t'écoutes, t'es pas vu. T'es pas bien. Bref. Ah putain, du coup, à cause de ce con qui pue la merde, j'ai des larmes aux yeux. Ah. Bref. Voilà. C'est bien, souvent j'augmente le son de mon micro, comme ça. Non, je sais pas si vous pouvez le voir. Là, oh, on s'en fout. Souvent, j'augmente le son de mon micro alors qu'il est déjà au max. Mais bon, au cas où, à chaque fois, je me dis, dans ma tête, je me dis, et si j'ai mal monté le son tout à l'heure, ça veut dire que je vais recommencer tout le let's play, putain. oui, ça a quoi rapport, et alors je m'en fous. Bref, je te déteste à mort. Je suis vraiment un boulet. En effet, tu es un gros boulet, même. Je vais entrer chez moi maintenant. Ça casse toi. Mais qu'il est con. Attends, à l'aide, j'ai glissé. Tiens, je t'aime, mon petit. C'est play est vraiment très animé. il se passe rien du tout, même enfin chez vous il... Ah oui, parce qu'il n'y a pas de musique dans le jeu là, en ce moment, c'est normal. Mais parce que moi enfin oui, c'est encore une autre parenthèse, et alors je m'en fous, je voilà, hein, je suis un youtubeur donc je fais beaucoup de parenthèses. Quel rapport, je sais pas. Voilà pourquoi je regarde mon micro, je suis en train de regarder ma règle en vous parlant. Ah non, je suis en train de regarder le retour caméra, mais même on dirait que je suis pas en train de vous parler. Voilà, comme ça, c'est mieux, ok? Qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire quoi? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah oui, parce que moi, en fait, quand je fais mes let's play, j'ai quand même l'impression que c'est un petit peu animé, parce qu'il y a de la musique et tout. Mais vous, je sais que quand vous regardez mes vidéos, vous vous faites chier à mort. Parce que vous entendez juste un gars qui parle et de la musique de fond très basse. Enfin, normalement. Enfin, après, c'est chacun ses goûts, hein, bon. Là, moi aussi, je me fais chier, en vrai. Bref, yo, toi, là, si tu veux faire du mal à mes amis, faudra d'abord me passer sur le corps. Non, faudra d'abord me passer sur le corps. Allez-vous, putain, alors. C'est ça, casse-toi. Tu sens le fin du... Personne n'a dû comprendre cette blague.
c'est blague qui n'est pas une bug, c'est de la merde que j'acte. Elle est partie. Yo, tu m'as vraiment sauvé la peau. C'était peut-être pas une super idée d'être ennemi. Et si on devenait amis à la place? Waouh, faut vraiment que je rentre chez moi. Mes parents doivent être en train de se faire un sang d'encre. A plus, poteau. Non, là. A plus, poteau. Je croyais que j'avais loupé, mais non, j'étais trop en avance. Voilà. Et vous vous en foutez totalement. Bref, moi je me casse d'ici. Je me casse d'ici. Nanana. Bonsoir, Undyne. 7. Avec 7 âmes humaines, le roi Asgore pourra enfin devenir un dieu. 6. C'est le nombre d'âmes que l'on a pu rassembler jusqu'à présent. Tu saisis? Ton âme, la 7e, sera la clé d'un nouvel avenir pour ce monde. Mais tout d'abord, comme il est d'usage pour ceux qui atteignent cet endroit en vie, je vais te raconter la tragique histoire de notre peuple. Ouais, une histoire. Tout commença il y a très, très longtemps. Oui, et puis en fait, elle est en train de remonter dans le temps, là. C'est sûrement pour ça et tout et tout. Et voilà. Non, tu sais quoi? On s'en tape! À quoi bon te raconter cette histoire? Alors que je ne m'apprête à te tuer! Ah putain, j'ai totalement foiré la traduction. Merde, faut pas que j'enlève la traduction. Voilà, je t'avais dit que tu sentais le Findus. Je suis trop fort. Tu sens le Findus. J'en suis où, moi? Toi. Tu fais obstacle à la réalisation de tous nos rêves et nos espoirs. Je pensais les humains pas compatissants d'après les archives d'artifice. Mais toi, tu tues sans le moindre remords. Tu erres dans les cavernes et tu attaques le premier monstre venu. De la légitime défense? Ne me fais pas rire. Tu n'as pas tué tous ces gens par nécessité. Tu les as tués parce que c'était facile de le faire. Parce que tu trouvais ça amusant. Tu penses que ça me fait marrer, moi, quand j'ai appris tout ça? Ce gros cabot qui ne pensait qu'à jouer a péri avec pour cause le caprice pervers d'un seul humain. Pas moi. Mais ton heure a sonné, crapule. Jamais plus tu ne feras de mal à quiconque. Un chevalier à l'armure étincelante est apparu. Et toute cette souffrance que tu as infligée à tes victimes, tous les rêves, tous les espoirs que tu as réduits en poussière, elle te les fera payer du bout de sa lance. Yaaaaaah! Je vais te montrer de quelle détermination les monstres sont faits. Allez, approche un peu qu'on en finisse. Ta gueule. Putain, je peux me barrer en plus. C'est le pire. J'ai fermé la porte, mon père m'entend. Ah, il est là, mon chien. Le gars qui remarque que son chien est là. Voilà, bref. Faut pas que je fasse la traduction, moi. Allez, après, ouais, bref. Ta gueule, cela t'a un peu de détermination. Alors, ça y est. Cette fois, tu ne pourras pas te défiler. Me voilà! En garde. What? C'est le rêve ou ça en français? Undyne attaque. What? Pourquoi elle a parlé en français? Peut-être que ça dit comme ça en anglais. Bah après tu vas me dire c'est possible parce que... En fait moi les traductions, pour installer le patch FR, j'ai fait toutes les étapes, sauf la dernière étape elle marchait pas. Donc ça c'était dommage. En garde. Ah non, parce que c'était marqué Anguard. Je sais rien, ferme ta gueule.
crève. Non, là elle parle en anglais, ok, c'est normal. Tant que tu es vert, tu ne peux pas m'échapper. À moins que tu apprennes à faire face au danger. Tu ne tiendras pas plus d'une seconde contre moi. C'est dur, très dur. Ah ouais, bref. Donc, fight. Bref, oui, je sais, c'est long. Joli, mais qu'est-ce que tu dis de ça? Je dis que c'est toujours aussi facile. C'était même très facile. Des années qu'on rêve tous d'un dénouement heureux. Ouais. Non. Quoi? Ah, je sais pas. Bref, là ça s'accélère. J'ai beau avoir des flèches pour contrôler mon âme pourrie, mais je te battrai. Wow, tu sais quoi, je vais t'épargner, hein. De la clémence, j'arrive pas à croire que tu veuilles encore m'épargner. Putain, je me suis fait toucher ou... Ouais, je crois, je suis pas sûr, mais je crois que je me suis fait toucher. En même temps, je regardais pas où je mettais mes flèches, j'avoue. Mais j'en ai quand même arrêté 3, j'ai entendu le bruit, voilà. Et là mes traductions elles sont j'arrive pas à croire que tu veuilles... Oh puis on s'en fout, hein. Putain. Cette feuille est un vampire. J'ai dit que de la merde. Bref. On s'en fout de ce que tu dis maintenant, Dine. Meurs. J'ai fait que de la merde. Non. Fini de rire maintenant. Oh putain. J'ai pas réussi à l'esquiver. Mais je te combattrai. 55 dégâts. Pitié. Ah. J'arrive pas à croire que tu vas... Ah non, c'est là qu'elle disait... Bon, je fais que de la merde. Voilà. J'ai toujours fait que de la merde. Dans tout ce espèce, j'ai fait que de la merde. Mais c'est pas grave. Fight. Po-po-po. Je comprends pas ce que tu dis. J'ai la flemme de lire la traduction. Alors, en plus, je sais même pas si je l'ai faite. Hop là, t'es loupé. Tu m'as remis en vert. N'est-ce pas, Undyne? Ah, les humains, et tu pourras pas passer à cause de... Mais je m'en fous, tiens, je te combats. Ça te va pas? Fight! Undyne! Ta! Mon père va me prendre pour un taré! Hop là, j'esquive tout, qu'est-ce que tu vas faire? 53 dégâts. 3 petits points. Hop là! Je bouffe un thème flex, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai récupéré 2 PV. Ouais, il ne servait absolument à rien, mais c'est pas grave. Je fais que de la merde. Ouais. Oh! Je me tire. Adieu. Ta gueule. Arrête de fuir comme ça. Oui, j'ai pris 3 heures à retrouver la traduction. Ah, non, on peut pas. Ah oui, c'est vert. Non, on peut pas. Bah, merci quand même, voilà. Merci chez vous. Ouais, le vert, je connais tes attaques vertes. Ah, Undyne, fais un petit peu attention à ton visage, non mais oh.
déterminé, mais je m'en fous de ce que tu racontes. Je suis en train de te mettre la pâtée. Ça te suffit pas? Vas-y, épargnez. Vas-y, wap, 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 wap. Bah, je me suis fait niquer. C'est pour ça que je vais prendre un petit gâteau. Alors, qu'allons-nous prendre, les amis? Nous avons des bonbons, des bonbons monstres aussi, de la tarte, que j'utiliserai pour la fin, parce que ça retient tous les PV, et c'est pas mal, de la nourriture d'astronaute. Bon, allez, on va manger un petit bonbon, ok, les amis? Dit HP, haha. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Wow, yeah, je comprends pas ce que je te dis. Ouais. Bah, je me suis fait niquer. ta gueule. Je me tire. Non, mais calme. Stop, arrête de fuir. Ta gueule. Bienvenue à Outland. Ah, il y a un petit téléphone qui donne. Dring. Salut, quoi de neuf? Je me disais, on devrait se faire un truc, toi, moi et Undyne. Je suis sûr que vous vous entendrez bien. Retrouve-moi chez elle un peu plus tard. D'accord, j'y serai juste après. Clic. Non, attends. Un peu plus tard chez moi, chez elle. Ok, j'y serai juste après. Arrête de t'enfuir. Ta gueule. Vas-y, petit humain déterminé. Vas-y, Clovis, tu peux le faire. Salut, Sans, ça va? Allez, je me tire. Ça va? Ta gueule. Ah. Mon armure trop chaude. Je peux pas laisser tomber. Ah bah si, tu peux laisser tomber. Moi aussi, je vais laisser tomber un autre truc. Les traductions. Et ça, c'est celle de tout à l'heure. Voilà. Il faut... Il n'y a plus rien à traduire. Tiens. Prendre un verre d'eau. Yes. Vous prenez un verre d'eau. Tiens, tu veux de l'eau? Donnez de l'eau à Undyne. Oui. Tiens, je t'arrose, petit poisson. Petit Findus, je t'arrose. Et j'aime les sushis. J'aime les sushis. Elle a trop peur. Regardez. Oh putain, son bandage, il est... Oh putain, il y avait son cachet qui a disparu. Oh voilà. Quand je connais un fora corps, je lui dis, tout simplement. Ceci s'appelait un fora corps du jeu. Chaque fois qu'elle est tournée, elle a pas son bandage. Même quand elle a pas son armure. Donc, un laboratoire dans cette place étrange a été rempli de détermination. Je crois que c'était ça. On va aller dans le laboratoire. Non, on va se quitter là, les amis. J'espère que cette fois, ça ne sautera pas. Hein. Donc, les amis, on va s'arrêter là. Même si j'ai déjà dit il y a 30 secondes, mais c'est pas grave. Bref. Donc, je sais pas ce que je voulais dire. Et voilà. Donc, la prochaine fois, on ira au rendez-vous que Papyrus nous a donné devant Shendine. Et on ira voir ce qu'il y a dans le labo, là, juste à côté, dans le laboratoire chelou, là. Bref, donc, moi, je vous dis à plus et à bientôt. Allez, tchuss.